Et bien là, on regarde pendant le week-end là, qui ça qui t'est fait dans le pays Angleterre. Nous pourrons aller pour nous dire pendant le week-end là, qui ça qui t'est fait dans le pays Angleterre. Dans la première ligue là, nous allons aller rapide avec résultat première ligue là. Fatih Vladi, cap gardé, cap tendez nous. Et bien, qui t'aime très rapide, premier match qui t'est gagné dans le cadre, et bien, troisième journée là. Dans la première ligue, qui te dit très rapide, c'est équipe, eh bien, Tottenham qui bat Wolverhampton, yon goal à 0. Crystal Palace, c'était passé, mais 60 Villa et 3 goals à 1. Everton qui fait 1 à 1 avec Nottingham Forest. Fulham qui bat Brentford 3 goals à 2. Leicester qui perdu face à l'équipe Southampton 2 goals à 1. Et nous gagnons Arsenal qui leader dans mon Napoléon qui bat Bournemouth 3 à 0. Leeds United dépassé mais sous Chelsea là encore c'est surprise qui t'a gagné dans cadre troisième journée ça dans première ligue là. Et bien nous gagnons équipe Leeds United là qui passé Chelsea ont 3 goals à 0. Fanatique Vladi cap gardé cap tendez nous là. Nous gagnons équipe Brighton là qui a été battu West Ham 2 goals à 0. Manchester City lui-même qui manquait quitter Paul Lacaille Newcastle. Donc de la douleur, il a raché un match nul. Donc c'était 3 goals pour tout match lui-même. Il est fini. Manchester United bon côté pas qui bat Liverpool. C'est dernière rencontre dans le cadre de la troisième journée en première ligue. Manchester United bon côté pas qui bat Liverpool 2 goals à 1. A rappeler que vous avez mené 2 goals à 0. Et nous avons Cristiano Ronaldo dans le match là lui-même qui rentre dans 86e minute dans le match. Donc le match presque fini. Et bien Cristiano Ronaldo lui-même, lui tapral rentré dans le match là. Donc en pile moun yo même. Yo plein de Jean Bagalan lui-même, l'ité. Et bien, on a regardé comment classement y est dans le moment Napoléon. Nous allons aller très rapide dans la première ligue pour nous dire comment classement lui-même lié. Et bien, Jean Wabgade là dans le pays Angleterre, dans la première ligue. Nous avons équipe Arsenal là. Et bien, Arsenal là dans le moment Napoléon, c'est eux-mêmes qui gagnent. C'est eux-mêmes là qui gagnent. Et bien, tête classement. C'est équipe Arsenal là qui gagnent. Lui-même, et bien. Et 9 points, c'est seul lui-même dans le moment qui gagne. Et bien, tout point ça dans première place, classement. Ti monsieur, et bien, on garde l'équipe qui vient en deuxième position. Nous allons très rapide pour nous dire. Et bien, Manchester City en deuxième position, 7 points. Arsenal 9 points en première position. Leeds United 7 points en troisième. Tottenham 7 points, 4e. Brighton 7e. Et bien, alors, 7 points, en 5e. En 6e position, nous gagnons Newcastle 5 points. En 7e, Fulham 5 points. 8e, Brentford 4 points. 9e, Crystal Palace 4 points. 10e, Nottingham Forest qui lui-même est complété et top 10. 4 points. Parmi là, nous baillons top 10 dans tout championnat. Yo, top 10 équipe, eux-mêmes. Qui a fait causer yo. Nous saluons Moïse Jean-Charles qui a partagé live. En plus, love pour Moïse Jean-Charles qui a partagé live là. Donc monsieur, on quitte classement et bien championnat, on allait dans classement meilleur buteur avec meilleur passeur pour nous dire dans moment Napoléon là qui est ce monde qui a fait causer. Rodrigo gagné à 4 goals lycée meilleur buteur dans championnat après 3 journées. Alan gagne 3 goals, nous gagne Mitrovic, nous gagne Zaha, nous gagne 3 réalisations après ça nous jeune on lac de footballeur là dedans nous gagne Mohamed Salah, nous gagne Harry Kane, nous qui gagne 2 réalisations. Gabriel Jesus également qui gagne 2 réalisations. Donc on regarde dans classement meilleur passeur en prenant qui est-ce qui gagne plus passe. Nous gagne Harrison qui gagne 3 passes. Kevin De Bruyne déjà délivré 3 passes. Gabriel Jesus 3 passes. Après ça nous joignons dans l'actuel footballeur là dedans nous gagne Perisic, nous gagne Jensen, Nexayo déjà délivré 2 passes yo même. Ti monsieur, ou ben kon kalikon, partagez la vie de tout côté, n'importe côté ou même ou branché, nous saluons très fort, merci parce que vous connectez.